Suite à la résolution. Suite à la résolution. Attendez, on va le voir totalement. On va le voir ensemble. On va le voir totalement. Suite. Vous parlez? À la résolution. Je suis. Mais je m'apprends ma propre position. On est tous déjà. Je suis. Attends. Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous parlons. 1, 2, 3, 4. Je suis. Maître Joseph Bessin de Jean-Louis, magistrat de carrière, le juge le plus ancien de la Cour de cassation de la République, suite à la résolution du pouvoir judiciaire, formellement, constatant formellement. Suite à la résolution. Suite à la résolution. Attendez, on va le voir totalement. On va le voir ensemble. Suite. Vous parlez? À la résolution. Je suis. Mais je m'apprends ma propre position. On est tous déjà. Je suis. Un, deux, trois, quatre. Je suis maître Joseph Mécène Jean-Louis, magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation de la République. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir mon pays, pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition de rupture. Que Dieu veille sur la nation haïtienne. Faites à Port-au-Prince le 7 février 2021 à 9h45 du soir. Maître Joseph Pessène Jean-Louis, juge à la Cour de cassation de la République d'Haïti. Monsieur Ratma. Tout à l'heure, on a fait un deuxième plan. On a là, il faut garder la caméra plus. Il paraît à plus à plus. Vous fatiguez la fois pour la digitale. Ah ben oui. Vous voulez mon digital? Ah ben oui. Fais le fond digital. Ok, fond chute. Balle chaise, balle continuer toujours dans le cadre de préparation, le travail qui a fait dans la ville. Bon, les gens regardent là sur l'écran, là, c'est ça qui a fait le moment actuel par rapport au travail qui continue. En fait, hier soir, monsieur, le travail et dans le stade même, et pour le moment, monsieur, même, yo en bas, pour le moment, je vais vivre là, puis nous camper à regarder comment travaille au même yo a fait le moment actuel lui-même dans l'entrée boulevard lui-même pour les amis et tout le monde est bien qui a fait là à travailler le gouvernement lui-même lui a fait dans ville pour les gens qui ont même suivi c'est pour ça que ça même lié. Et Ralph, nous trouvons en bas Trois-Rivières, presque c'est bon caille
Maître Gracia, ok, Bokai Maître Gracia, nous y est là, parce que bon pour ça. Quand nous même nous trouvons nous y est pour le moment actuel. Ok, Jacques, va suivre nous là. Thank you.
Thank you.
Baldassar, nous travaillons bien. On a un petit fond qu'on y a là. Un petit fond, on a un petit fond. Il y a un bel bagage qui a fait dans un petit fond. Il y a un bel bagage qui a fait dans un petit fond là actuellement là. Je venais son président en pile. Je venais son président en pile. Et c'est le président qui fait ça pour des pays. Après ça, il y a un autre président qui fait ça même. Donc, ouais, tout connaît.
citoyens dans le pouvoir intellectuel du pays à gagner. Et nous-mêmes, nous soutenons son travail. Mais je dis à l'IGSA, c'est pas de belles à cause des carnaval là. Et c'est un signal qui nous fait que pas de l'État dans le pays, et son seul l'État. Et pour les faire besoin de nous, et nous venons là, justement, pour nous appeler nous, pour nous rendre activité ça, réaliser ça, forcément, le bureau de BTC qui est attaqué, c'est le même personnel, que les bandits sont attaqués, les bandits armés sont attaqués dans 10h du soir, pour nous tirer un peu le cadre du chemin. Le soir, le jour de notre travail, on va nous décourager, nous voulons nous battre tête déjà pour nous servir la population. Et chaque jour, on va mettre notre travail, la population. C'est le président Jovenel qui remettait nord-ouest dans le cadre géographique du pays d'Haïti. Parce que depuis la nuit des temps, il a oublié le pays. Nous ne connaissons pas qui est, qui ça, nord-ouest fait. Mais qui dans la République de Port-au-Prince qui décrète qu'attaque le pays de temps en temps. Monsieur ça c'est boss moi là parce que c'est qui a changé de clé pour attaquer le pays. Même pour ça c'est mauvaise foi. Ça son crime dans la population dans l'ouest là. Dans le moment ça, et puis on choisit pour tenter par le président coup d'État pour tuer la vraie. Donc, ça qu'a fait là, c'est au profit. Le pays d'Haïti, c'est au profit du département nord-ouest, plus particulièrement de Port-au-Prince. L'État, on connaît tout effort qu'il fait et pour ne pas être capable de bloquer. On connaît c'est Braldim, la première fois, on a une centrale électrique qui va le fournir aux environs de 10 MW, fait dans moins de 6 mois. Pour nous, on a à peine 4 mois et on a été évolué. Et mon qui a fait ingénieur section génie civil l'Andio, il y a 90% même, il y a 95% même. Non obstant, extension qui n'est pas bien la donne, il vient de mettre la donne à certaines d'autres retouches, qui presque bon 95%. Pour les travail électromécanique, et quand c'est plus fait, ouais, c'est fini qui a passé. Et il y a un réseau, il y a un réseau qui travaille. Mais le problème non joint, et c'est ça qui révolte. Travail, ça vous fait, là, il y a un courant, ça n'a pas pour les pays. Et étant donné que nous avons dit et avant 14 février, et bien, manigance que vous faites dans bloqué route au niveau AKR, bloqué route au niveau de Gonaïve, bloqué route de tous côtés, et vous constatez que ça qui fait et dernièrement là, si avant 7 février, ouais, tout ça qui fait. Donc bref, mais nous avons pour nous être capables lui-même avant 14 ans. Mais dans le cas que nous avons des difficultés, nous disons pas de paix, les gens qui ont dans le caravan là, pas inquiétez vous. Nous avons au courant dans toute port de paix, lui-même, pendant toute période de caravan là sans problème. Donc c'est ça que nous avons dit, oui, puisque nous disons avant 14 ans, nous avons lui-même courant 24/24, juste pour le cas de la menti, ils ont bloqué la route, ils ont fait tenter tout l'autre coup, par contre comment les coups ça, pour empêcher le travail, juste pour que nous disons que c'est des menteurs. Mais non pas des menteurs, nous sommes des huit travailleurs. Donc c'est des gens conscients, des gens qui travaillent, des gens responsables, des gens qui construit face à des gens qui détruit. Gens qui détruit depuis quelques jours là, pour nous traverser à Caer, eh bien, impossible. Pour qui ça fait? Pour qui ça va traverser à Caer? Pour faire révolution, pour faire développement.
comme si on a empêché le développement fait et on a parlé de révolution, on a parlé de l'autre bagaille. Bon bref, et Mounio est travaillé à avancer, ouais, fil à passer, mon réseau poté au fin passé, ouais, pour rien, c'est fil qui va le passer pour réseau. Nous avons souhaité que la pluie en tout travaille contre nous tout, la pluie presque tombe chaque jour pour des pères et la saline pour passer. Il n'y a pas de chance pour nous traiter la saline, non? Le problème d'eau qui est la saline, non? Donc, nous avons pour nous sommes capables de faire une centrale là, et puis de mettre le courant dans la raison pour nous porter le courant 24 sur 24, courant président pour mettre le courant qui est là. Réveillé dans tel point par rapport avec le département nord-ouest, qui est réveillé avec le président Jovenel, qui c'est petit nord-ouest, qui n'a pas négligé qu'on est nord-ouest, pour engagement pour voter, qui a une responsabilité pour faire nord-ouest, je dis à nord-ouest. Bien qu'il y ait tendance à manifester dans le sens, qui est un petit peu ennuyant, mais en fait, le président Jovenel endosse la responsabilité pour faire nord-ouest belle, pour faire nord-ouest. À soi, on a parlé avec Dieu, nous, le public l'a réuni en grand genre. Sans problème pour assister normalement à l'action du président Jovenel Moïse. Je dis à l'État mieux pour nous faire comprendre à tout le monde qui a réfléchi pour dire que fille président Jovenel par rapport à la tendance qu'elle fait, qui offre le département nord-ouest. Et non seulement le département nord-ouest, qui offre le pays en tant que jeune garçon, jeune politicien, qui entre dans une bataille qui permet que tout le monde joigne. Je dis à peuple nord-ouest, dit bravo spécialement pour le président Jovenel Moïse. Le président Jovenel, merci. Comme nous te connaissons déjà, et vous-même, c'est toi un garçon depuis longtemps, depuis la chambre de commerce, où tu as bataillé pour que Nord-Ouest sorti dans la panique. Nous connaissons tout le monde qu'on a fait depuis la chambre de commerce avec bourgeois qui t'ont toujours traité toute zone en parlant pauvre. Vous-même, vous êtes toujours sur chaque 100 dollars, vous avez toujours dit ça dans la chambre de commerce, sur chaque 100 dollars que tu gagnes, qui gagne pour payer, les contre au prince, qui est payé. 80 dollars, l'autre 100 dollars pour distribuer dans le département. Je dis à vous monter comme président, nous tous les coups, mais nous mettons comme président. Mon cher, nous fier de mon président. Bataille ça, ou à peine là, ou pas pour moi. Immaculé à vous, Grande Saint-Anne à vous, Saint-Jean-Baptiste à vous, Ravi-Loca à vous. Quel que soit vous, mais ou à vous, quel que soit le monde qui a pour moi, vous êtes victime parce que nous connaissons, nous ne connaissons pas tout le monde. Nous connaissons le travail, nous connaissons le travail, on a le travail, c'est le travail. Et ça fait nous demander toutes les qui sont en opposition. Le président déjà dit ça, il parle pas en avec nous parce que c'est haïtien qui est lié. Nous même c'est faire un seul bagage avec lui. Si nous bataille, c'est pour la vie meilleure, mettez dans un président pour nous batailler. Sans ça, nous avons toujours perdu 0%. Parce que si nous pas bataille, on a une élection, nous avons toujours perdu 0%. C'est vrai, il y a un président qui travaille. Président, je ne vais pas mentir, I love you. Mon frère, si nous avons fait la vola. Je ne vais pas mentir, je suis content, même quand je suis là, 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 je président Jovenel, l'a fait un pile bel travail et nous comptons en pile parce que les oppositions, c'est pas un rien, yo tu as pu faire, yo tu as pu mettre le peuple en misère, yo tu as pu tuer le monde, yo faire ça qui passe ça. C'est pas pour ça. Chaque fois nous avons un président, c'est nos convictions, nos problèmes dans la guerre. Pour nous envoyer l'année, pour nous chaque haïtien qui l'a passé, pour nous pas jamais sortir dans la misère. Tout pays a fait effort.
mais nous-mêmes haïtiens, nous pas jamais qu'à faire effort. Même dit merci avec grâce à Jovenel qui pensait pour le pays et qui pensait pour l'avenir jeune. All the country doing better. Senator Domingo doing better. The Bahamas and the United States. All the country try to come together, to put together. So they could help themselves. But we Haitian people, we try to help ourselves. Glad of Jovenel who think about us, who do. Nous sommes tous les deux. Donc, nous n'êtes pas contents, ça fait pour le peuple. Le peuple a fait le mandat, le président a fait le travail pour lui, le président a réélu des gens qui travaillent, non, là, pas pour le président pour le travail. Il n'y a pas de fond, il y a un façon de venger, c'est possible. Il y a à minuit, le travail fait route. Mais il y a tout le monde qui a dit la caravane, donc il y a un autre point de paix. On a un point de paix pour nous, à notre mentalité, à notre vision, à notre dynamique. Donc, ces hommes de Gadi, Gavayou a marché, nous avons presque arrivé jusqu'à Chabisson, donc à Alcambor et Mondorimala, et puis nous avons mis tout le gaz bitumio, nous avons mis ici, et vendredi, nous avons mis des bébés, et puis nous avons notre point de paix, et puis tout ça n'est pas content. Le président va dire que le président dit vingt-deux noms, nous travaillons ensemble pour sauver le pays. Cessez d'être esclave mental, cessez d'être esclave qui a détruit le pays. On va continuer le même genre. Depuis 1804, c'est même pour nous qui a détruit le pays. On va jamais changer la pitié de tout le monde. On va commencer à détruire tout le matériel de l'État. Comment l'homme a détruit le matériel de l'État pour que tout le monde applaudit avec nous. Et ça, on a dit ça, pas aucun pays du monde. On a systématiquement du tout matériel d'État, qui fait bien pour l'État, on doit travailler dans l'État. Assez, c'est trop à tort. C'est trop à tort, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas venger à détruire le monde. Nous ne pouvons pas venger à détruire l'État. Nous venger pendant nous-mêmes la poursuite route, la poursuite centrale, la poursuite et commissariat, nous avons fait tout le bagage maintenant. Demain, nous sommes là pour carrer nos bagages. Des jeux, moi très content carnaval la cap fait pour des pères parce que c'est pas de carnaval là quantité de travail non réalisé dans route nationale numéro 5 là, c'est à dire Carrefour Joffre pour des pères non ben été fait 3 ans nous pas quantité de travail non réalisé en dans ville pour des pères nous m'était fait 4 ans nous pas d'appel et le fait que carnaval la fait donc synergie qui développé entre la présidence tant que nous toujours dit et ministère finance et Primature, souvent oublié MPCE, ministère de planification, et c'est le moment pour
saluer Réginal qui bat nous en pile coup de main. Et puis travaux publics, l'armée, et puis qui vient avec un gros garçon qui est dans le TIDOC, et bien nous développons synergie, nous réalisons quantité de travail, nous réalisons là. Moi content en pile. Et au cas dit qu'il y a d'autres bagailles, carnaval la suite à la maladie qui gagne, mais à comprendre la réalité. Que pour des pères, grâce à carnaval là, les jeunes n'ont pas tout sens. Les jeunes, quand ils ont cabine en donne, donc hôtel est plus cher et les gens cabine ouais pour des pères autrement. Bref, donc on dit qui ça est en résumé. Et si le carnaval là, ça c'est fini, nonobstant tronçon intersection et avenue Trois-Rivières, ensemble et rue Richard et Brisson, qui ont un petit problème de traitement parce que tout poste septique mounio, toute l'eau qui saute et l'eau usée, la gagne dans le sol là, et tout le monde qui compte pour des pères, compte qui qualité sol qu'on gagne. C'est-à-dire tout traitement au fait et à chaque point nous vini, l'eau qui a remonté capillaire et tout on sait des bagailles, bin fait, n'ont pas qu'à finaliser. Malheureusement, c'est la majorité sanglée. Non, nous développons une technique là avec eux, comment pour traiter les et pour nos jeunes et nos besoins. Donc, en d'autres termes, le circuit carnaval est presque prêt, totalement prêt. Donc, nous avons été 3 jours de travail encore. Et nous avons gardé Mondorima et Aubert à côté. Dallos est presque prêt pour livrer à la circulation. Donc, en un mot, nous sommes prêts pour nos carnaval pour des pères. Donc, nous avons à côté, nous sommes là, c'est côté. Gros garçon capra la molan, il a mis le sous cheval li là, que moun yo a content, le président l'a découvert le bouillon. Et il y a un jet d'eau là-dedans. Donc tout le monde porte des paix, qui vient porter des paix, a pierre des porte des paix. Et moun qui déjà cap garde des porte des paix, il n'y a pas reconnaître porte des paix aujourd'hui. Je souhaite que moun porte des paix montre avisé, la population porte des paix montre éclairé, pour ne pas laguer patra n'importe côté, pour ne pas sale canal yo, parce qu'au moins, très faible pour des pères. C'est pente de 0,0 combien pour cent pente là. C'est-à-dire, circulation coule, écoulement doit fait très lent. Donc, c'est à signifier qu'il faut nous éviter de vider des chaînes en canal pour pouvoir des pères qui ont été toujours propres. Ce qui s'est passé, c'est que nous comptons ce qui passé. Hein? Nous montrer vraiment que la justice, nous-mêmes, en tant qu'avocat, depuis le commencement, nous n'avons pas de bouquet toujours campé ferme. Nous avons besoin de la justice qui peut triompher. Quand il s'agit de la loi, pas de affaire politique. Le fait que Jodia, nous boumons, nous mettons toute force, nous libérons, juge là, et nous avons quel que soit monde, nous arrêtons dans des conditions illégales. Il faut que nous boumons toujours pour tout le monde capable de liberté. Et il faut que l'État de droit capable de respecter en Haïti. Nous comptons parce que. Juge l'a libéré. Mais ça fait nous mal pour comment il a passé la justice en bêtise, en bêtise, en papier. C'est tous les gens, tout le monde qui a arrêté. Nous ne mettre pas dehors, même gens avec la bêtise. Mais en droit, nous savons que l'accès soit sur le principal. Donc nous ne pouvons pas dire nous parce que nous ne pouvons pas remplir. Je dis à. C'est tout pas dans le Brésil, mais demain ça parle pas tout le monde. Et nous campons même gens avec tout, et nous défendons tout, même gens, jusqu'à ce que tout soit libéré. J'ai dit magistrat, comme nous-mêmes nous n'avons pas de compétence pour nous juger. Nous pas qui doit juger. Nous-mêmes nous mangeons la caillou. Nous voulons la caillou parce qu'on ne va pas commettre aucun crime, ni délit, aucune infraction. Garantie, je vous donne garantie pleine et entière. Nous les avocats, nous sommes constitués pour la défense du juge dans le Brésil. Qui n'a pas été arrêté. D'ailleurs, je refuse d'entendre les gens dire que le juge d'Abrésil aurait été arrêté. Il a été enlevé, séquestré et gardé à la prison civile de Quadébouquet. Nous sommes venus ici pour trouver sa liberté. Nous l'avons trouvé. Cependant, les autres qui se trouvent actuellement en prison vont être libérés. Et nous allons faire tout ce qui est possible pour regarder la loi pour qu'ils soient libérés. Concernant écart de comportement, brutalité policière qui enregistré pendant des semaines ça. Côté que la presse dénonçait ça et côté tout journalistes te fait manche pour yo capable parler de victimes qui aux victimes. Jeudi à commandant chef la police là de rencontrer inspecteur général en chef là. Côté que les passer l'instruction pour ouvrir une enquête pressée sur ensemble de cas qui
concerné des journalistes pendant les dernières semaines. Et à travers le réseau, l'image, tout le monde est capable de voir. Et au niveau du commandement, tout, nous voyons l'image. C'est un comportement que, qui a touché moi à l'institution. Et la police est une institution, nous connaissons déjà, mission ni, c'est garantir l'ordre public et la sécurité publique. Et partenaire ça que nous gagnons, qui c'est la presse, également population, hein, c'est des partenaires qui très importants pour nous en matière de communication, également en matière de sécurité. Inspection générale prend ça très au sérieux et au niveau de direction générale là, je suis très préoccupé par ça. Nous, à 10 journalistes, que au niveau inspection générale, enquête là, la pressé, probablement, dans une conférence que qui vient pour faire au niveau inspection générale, il y a élaboré plus sur ça. Ça permet même dit tout que la police avec population sont seuls. Et nous croyons tout que la police avec presse tout, c'est un seul. Sans la presse, un ensemble de données, un ensemble d'informations que nous n'avons pas gagné. Et nous croyons tout que les journalistes tout, avec les policiers, pratiquement, c'est deux collaborateurs dans des situations. Par exemple, dans le cas de manifestation, couverture manifestation, il y a pratiquement trois éléments de souterrain. Des populations lui-même qui ont manifesté et qui sont droit à la constitution pour que manifester. Et bien la presse tout lui-même qui a fait couverture là, qui a fait travail là, et qui a informé l'autre monde et à travers le monde, tout le monde, à travers la presse d'information et la police souterraine. C'est une raison, les gagnants manifestations nous ont toujours demandé, sollicité, collaboration, monde qui a manifesté, monde qui lance les manifestations. Et tout, collaboration, la presse. Nous connaissons carnaval là, c'est 14, 15, 16 février 2021 au niveau Port-de-Paix. Il y a un ensemble de mesures qui prend au niveau de la Direction générale de la police nationale et ensemble de dispositions sur plusieurs niveaux. Pour assurer la sécurité des gens qui parlent dans le carnaval et des gens qui parlent dans le carnaval, la police pratiquement mobilisée dans tout département. Notamment côté que l'activité a déroulé. A gagné présence policière active sur la route nationale là, de Titanien à Port-de-Paix. Et c'est SWAT, SIMO, Boyd, UDMO, police administrative qui lui-même a sécurisé l'espace là. Objectif couverture d'espace ça, c'est pour faciliter la circulation. C'est pour sécuriser les passants, également tout empêcher les routes de bloquer le blocage des routes. Et pour Port-de-Paix, gagner un renfort en maintien d'ordre cap au niveau Port-de-Paix. Par les unités UDMO Nord et UDMO Nord-Est, circulation, BIM, SWAT, SIMO et Mounsayo, c'est pour sécuriser théâtre événement. Gagné environ 500 policiers qui mobilisés pour activité carnaval là au niveau Port-de-Paix qui a couvert pour sécurité et au niveau troisième niveau là, c'est présence inspection générale au commandement logistique communication et en total gagné environ 1500 policiers qui mobilisés pour événement carnaval. Nous tous connaissons tout, le carnaval là, c'est une période festive. Et nous sollicitons encore une fois collaboration population Port-de-Paix, également pour collaboration monde qui gagne pour fréquenter Axlan, à savoir de Titanien rivé Port-de-Paix. Commandant chef là, tu font message à travers la presse. Et côté que il t'est parlé amplement sur dossier qui vient pour à 509. Et concernant
policier Rénal Courtois, policier 25e promotion, 33 ans, n'a dit que pour le moment, DCPJ a tendu lui. Il y a plusieurs éléments d'information qu'il y a traité au niveau de la DCPJ concernant ça. Et il y a même tout un avis de recherche qui lance tout. Avis de recherche qui concernait ancien magistrat par au prince, Youri Chevry. Et côté que, pour m'en anticiper, il y a plusieurs éléments qui paraissent suspects. Et déjà gagné 3 interventions qui faites pour t'aller arriver interpeller ancien magistrat. Nabdi concernant policier Rénal Courtois, inspection générale plusieurs fois convoqué, il n'est pas présent. Et tout, il reproche le tout pour implication présumée dans ce qui était passé chez Chan Maslan à la fin de deuxième journée pré-carnaval Eslan. Côté que tu as des tirs et tu as pile monde qui t'est paniqué suite à ça. Et ça t'est passé dimanche 30 janvier 2021 au niveau. Le fameux projet de l'Institut national de formation au métier de la mer, que Semana et depuis le rentrée dans l'institution ça, qui c'est pour moi un projet qui vraiment, que m'estime qui est important pour le pays. Qui est important pour la communauté haïtienne tout entière. Et je dis à c'est un pas n'a franchi et chaque pas n'a fait yo n'a mettez la presse au courant pour nous informer yo de différentes avancées yo que n'a fait avec la Banque caribéenne de développement qui est représentée par monsieur Renaud Tefort, qui je dis à avec le groupe Tram, madame Guacou qui représentait le groupe Tram, qui a signé et contrat qui pral permettre yo faire études architectural et structurel de plus de 3 carreaux de terre que nous connaissons, nous gagnons déjà et cabaret qui va permettre que nous fait campus Institut national de formation maritime. C'est un projet qui tient et en pile à Semana et spécialement aussi au président de la République, son excellent Jovenel Moïse, qui lui-même accompagne Semana, qui lui-même est à souhaiter que nous réalisions, nous atteignions l'objectif ça, qui permette que Haïti ait un institut national de formation au métier de la mer. Nous avons une liste de travail sous lit, mais comme on connaît, capitaine de bateau, capitaine de bateau, marin, et n'a bien génie naval, n'a bien génie mécanique, naval tout, et il y a plusieurs lots. Il y a plusieurs lots, n'a travail sous lit, n'a travail sous lit. Sur le curriculum, parce que ça passe, il faut que nous gardions des spécificités haïtiennes et ça qui aussi comme demande, standard international et demande tout. Maintenant, nous projet a presque fini et dans ce sens. Aussi, jusqu'à ce qu'il y ait 12 films qui étaient depuis un appel à la manifestation d'intérêt, qui étaient bidés, jusqu'à ce que nous arrivions dans une sélection vraiment serrée, à groupe Tram qui va réaliser études architecturale et structurelle de l'Institut national de formation au métier de la mer. Moi-même, comme haïtien, c'est un gros, je ne parle pas de ça, madame Guacou, comme je dis, c'est vraiment par rapport à côté nous gagner, problème jeune nous gagner, qui besoin, comment nous allons exploiter tout la mer ça, différents métiers, et je suis fier vraiment de participer dans ça. Donc là, c'est nous pouvons même arriver, c'est étudiant qui va ben nous vraiment gabarit projet. C'est vrai que Semana déjà lui-même, il fait toute description, il gagne tout projet, tous les objectifs, ça a envie de mettre dans la question. Hein? Mais c'est étudiant qui va préciser la question, hein? Jusqu'à ce que très rapidement. Après 6 mois pour nous arriver vraiment rentrer dans choisir un film qui va exécuter et tout. Donc nous son projet, alors pour nous réaliser ça, ce projet a démarré déjà parce que ça c'est quand même 6 mois, produit 6 mois d'échange avec techniciens Semana. Ça pour travailler fort avec Guiliano, avec voilà. Donc, il fait non, chita pour nous venir vraiment définir le projet, établir des termes de référence, etc. Donc, on nous dit que c'est en deux parties, nous lançons là. Nous avons lancé étudiant.
quoique il y a des études que nous avons fait déjà, nous faisons études topographiques, nous avons travaillé avec le laboratoire national pour nous faire études sol, sol, etc. Et là, nous vraiment arrivé à un point que nous avons avancé. Là, nous allons faire études architecturales. C'est l'architecte là qui va le faire. Financement pour études, ça, nous à peu près à 16 millions de gouttes pour les études. Nous pouvons connaître combien de constructions a coûté. Qui monde qui va le bannir nous, éléments ça. Il y a un résultat d'attendre deux films d'exécution. Hein. C'est vraiment nous-mêmes, nous avons tout élément, nous avons un laboratoire, nous avons fait des barcadères, nous avons fait plusieurs salles de formation, etc. Dortoir, etc. Maintenant, qu'on y a, c'est film non, qui pourra analyser techniquement tout ça que nous avons besoin pour ça, qui béton, qui bagarre, etc. Et c'est pas ça, il pourra l'estimer pour eux, il pourra dire combien exécution lui-même, il pourra le coûter. UCP qui représente ma carrière de développement, qui analyse toute procédure d'appel d'offres, choisit groupe Tramessa comme moun, comme entreprise qui va réaliser études techniques d'exécution pour projet ça. Mais m'a permis de féliciter Simana pour projet ça parce que en tant qu'haïtienne moi-même tout, je suis très fière pour que ces entreprises pas nous qui étudient. Grande première, ça, parce que c'est une grande première. Parce que nous sommes îles nouées. La mer sont ressources liées, sont apports liés. Nous ne pouvons pas capitaliser du tout en Haïti. Donc c'est ça qui fait moi d'autant plus fier que l'on va former des jeunes pour comprendre comment gérer ressources ça vraiment. Donc c'est important pour nous. Et comme groupe Tram, on a une expérience particulière en Acadie en termes de bâtiment public et à la fois en termes de projets qui ont rapport avec la mer, parce que nous fait non seulement nous fait des études, nous réaliser et nous d'Acadie nous travaillons avec des experts en génie côtier, nous connaissons de qui ça nous a parlé et nous connaissons qui ça nous a fait. Et comme a dit M. Delfort, c'est vrai que c'est maintenant établi programme ni maintenant échange technique quand pile bagaille qui va ouvrir les yeux parce que étude ça va le faire, c'est dans le but de construire, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on bien planifie, il faut qu'on bien fasse pour que le jour où il y a construit le projet, ça y a réalisé, si je sais campus ça, que nous camper fièrement, que nous dit, nous réaliser un bon bagaille, un bel bagaille, et que nous baillons semaine, première image de semaine ça. Une image grandiose pour le bail de Simana.
Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.